ici ? Oui, la forteresse de Khemsit. La relique s'y trouve. Les hommes sont prêts ? Oui, Amanra. Bien. Si Khemsit se trouve là, laissez-le-moi. Les fermiers en ont sûrement assez avec leurs voisins insulaires. Peut-être nous aideront-ils. Salut à toutes et à tous les amis, c'est Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve sur Age of Mythology Extended Edition pour la mission 17 avec la campagne La Chute du Trident. Donc ici, nous jouons Amanra qui est avec Demehari et quelques hommes d'armes et on va devoir capturer une relique qui se trouve sur une île à Khemsit. Voilà, parfait. Donc on va aller jusqu'au village qui nous est indiqué. Écoutez-moi. Donc, pour le moment, je vais envoyer Memehari séparer un peu. Ok. Donc apparemment, on peut utiliser les bâtiments ici pour avoir plus de population. Dans ce niveau, je crois que c'est un des niveaux qu'on peut avoir la population la plus élevée, je crois. Voilà, donc j'ai déjà construit 10 maisons de plus. J'envoie tout de suite d'autres villageois là. Il nous faut le maximum de nourriture pour passer rapidement à la suivante. Donc là, je vais envoyer ça là parce que je crois qu'il y a un autre camp de brigands. Ouais, bon, ils sont que deux, ça va. Mais bon, ça fera déjà ça de moins à gérer. Amanra, de ton côté, tu vas aller explorer un peu le sud. Bon, les Mehari vont raser ça rapidement. Je laisse les hommes d'armes en réserve. Parfait. Vous, au boulot. Ensuite, je crois qu'il y a un port là et il y a des tours à un moment. Donc là on fait ça, là on fait ça. On va bâtir toutes les maisons pour avoir le plus de population disponible. J'ai envoyé mes Mehari détruire cette statue aussi, pas besoin. Donc là on est déjà à l'âge héroïque, donc c'est plutôt intéressant. On a du bois. Là je vais tout de suite faire un navire de pêche parce que je sais qu'il y a une zone de pêche pas loin. Et puis bon. Un navire de pêche, ça peut toujours être utile. Tout le monde de la nourriture. Plus vite on aura de nourriture, mieux ce sera. J'ai envoyé mes mères explorer un peu. Pendant ce temps, Amanra, je vais la faire ramener là-bas. Tout simplement pour récupérer les maisons. Nous avons un nouveau pharaon ici. Excellente nouvelle. Je vais mettre mon marché là. Toi, tu vas me pêcher là. Je crois qu'on avait Kizis en plus, donc normalement on a le bonus de nourriture, ouais. Donc j'ai tout de suite développé ça pour qu'on ait de la nourriture encore plus rapidement. Vous deux, vous allez me bâtir ça. Alors on est arrivé là-bas, il y a des pécores, ok. Enfin, des paysans, excusez-moi. Un obélisque. Et il n'y avait pas un temple dans le coin normalement. Donc ok, on va explorer avec Amanra en attendant. Donc c'est un des niveaux les plus longs aussi que j'ai à faire, donc... Je pense qu'en 30 minutes, 35 minutes, ça va être fait normalement. Donc là, j'ai déjà 9 villageois sur la nourriture. Ça devrait aller un peu plus vite. Les chats sacrés sont terminés, donc plus de nourriture encore rapidement. Mais par contre, il va nous falloir de l'or. Ah, le temple, il a excellente chose. Je crois même qu'il y a une relique pas loin, c'est quoi? Les soldats humains résistants nous attaquent, perçant. Donc les tirs, ça c'est cool comme relique. Et normalement, je crois qu'il y a un coin de relique par là. Ok, donc on va former 6 autres villageois. Alors, le marché est bientôt terminé. Donc comme ça, je ramènerai un de plus encore sur le bois. On aura 6 villageois au bois. Ok, on a des tours. Alors, Amanra, tu vas me récupérer cette relique et récupérer les villageois et la mettre dans le temple. Très très bien. Maintenant, on va descendre vers le sud. Je vais voir s'il n'y a pas autre chose là. Ok. Alors, on a 2 villageois inactifs là. Donc, vous êtes 4 là. Hop, je vous mets là. Vous deux, vous allez là. Parfait. Pendant ce temps, on va récupérer de l'or. Alors, où est-ce que j'ai eu une mine d'or? Il y en a une là. On va l'exploiter en priorité. Je vais envoyer les citoyens là-bas. Ok, c'est pas mal, on est dans les temps. Donc là, ça va être de l'exploration de l'île.
Donc à mon avis, si on doit prendre cette relique, il va nous falloir une grosse flotte et une solide armée. Parce que vous avez vu ce qu'on a vu dans la cinématique, homme scorpion, lancier. Ah, il y a un autre forum là, ça pourrait être cool. Plus on aurait de forum, mieux ce sera, mais bon. Ça, ça concorde normal, ok. Je vais aussi bâtir un transport pour récupérer quelques reliques. Alors, il y a des singes, il y a de l'or. Ok. Donc là, j'ai fait le tour, j'ai récupéré tout ce que je pouvais. Je vais aller chercher les villageois là, comme ça on fera un autre forum rapidement. Donc on développe l'économie. Nous avons besoin de plus de bois rapidement ici. C'est bien, c'est très bien. Là on a un temple. Alors Ramsès, tu vas rusher le bois s'il te plaît. Avec ce transport, j'ai exploré un peu, donc normalement il y a un accès dans le coin pour débarquer. Ouais, donc là on va récupérer quelques reliques. J'ai développé aussi la portée de vision de demi-tour. Ce sont des crocodiles normaux, ça pour le moment. Alors, plus d'or, s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Je vais continuer à bourrer les villageois pour la bouffe. Là on en a 3 de plus. Et j'ai pas encore assez d'or. Je vais revendre un petit peu de nourriture en surplus. On va construire tout de suite un forum là. Comme ça on pourra faire une longue route commerciale entre notre marché et le forum à l'autre bout du monde. Là il y a une relique, c'est quoi? Ah, allez, elle me plaît bien la relique que je viens de voir pour les unités mythiques navales. Ça c'est quoi? Attaque des tours en défense, ça me plaît. Alors mon temple qui est là. Ok, donc vous deux, alors aussi. Toi, ferme. Les hommes d'armes, je vais pas en avoir besoin ici. Ramsès, tu vas me ramener la relique là pour les unités mythiques navales, c'est très utile. Surtout qu'on peut avoir, je crois, les Léviathans, si je me trompe pas. Ouais, donc là on va être très bien. Alors concernant les tours, on va développer l'huile bouillante, le créneau, comme ça, ça sera déjà préparé. Et toi maintenant, tu vas me chercher la dernière maison dans le coin. Ok, c'est fait. Vous allez me bâtir quoi? Une armurerie pour commencer. Toi, tu vas me bâtir ça. Vous deux. Plus de bois. Là on prépare notre économie pour l'assaut. Alors Ramana, tu vas me continuer d'explorer ce qui reste de l'île et après je pense qu'on va aller chercher quelques reliques là-bas. Malheureusement je pourrais en ramener que deux et je devrais bâtir un autre temple tout simplement parce que les temples contiennent maximum 5 reliques. Sachant qu'on en est déjà à 3. J'espère qu'il y a des reliques intéressantes là-bas, je vais aller voir. Très très bien, donc là l'économie elle est en route. Je vais commencer à former des caravanes pour le forum du sud. Je vais en former 4. Parfait. Ou alors on va bâtir de l'or, plus d'or, ça sera pas mal. Allez, c'est parti. Je vais quand même emmener les méharés avec moi parce que j'ai pas confiance. Allez, hop, plus de bois. Je vais reformer 4 autres citoyens ici pour bâtir des monuments. On va être tranquille là. Bon, on peut développer un peu notre navire de pêche pour qu'il soit plus productif. Parce que j'ose pas aller là parce que j'ai peur qu'il y ait des navires de Kemsi qui patrouillent le long des côtes, vous voyez. Et ça, je préfère éviter de perdre toute ma flotte. Là, j'ai une zone de pêche sûre, autant l'exploiter. Donc là, il y a peut-être autre chose derrière, non? Non, il n'y a rien. Ok. Donc, on retourne au transport. Toi. Je vais peut-être construire un autre temple ici. Comme ça, on pourra ramener rapidement nos reliques. Donc, vous, si vous y allez. Toi, tu viens.
Ok, donc là je vois combien la caravane nous rapporte par curiosité. Dès qu'elle sera arrivée. Donc là je vais bâtir les premiers monuments tout de suite. Bon, au moins on peut passer à l'âge suivant, je vais pas trop traîner là-dessus. Je vais passer à l'âge suivant ici. Ça coûte que 810. Je vais garder Thoth. Les tortues de guerre, c'est vraiment une bonne unité mythique navale, on l'a vu lors de la dernière mission. En plus, elle va avoir une attaque améliorée grâce à la relique qu'on a accumulée, donc ça sera toujours utile. Au niveau du temple, là, on va faire. Ah, j'ai pas encore assez de ressources. Toi, t'as retourné à la nourriture, merci. Amanra, t'es dans le transport. On va récupérer les reliques. Et de deux. Troisième monument. Alors, ça va être bien parce que pour nous, parce que ça va aussi nous booster. Par contre, je vais développer l'irrigation. Je vais développer la Hermine de Weped. Donc ça, c'est la technologie de Bastet. Très utile. Allez, là, notre taux de nos collègues de ressources devrait être accéléré. On a quoi là comme relique? Résistance aux attaques perçantes, on l'avait pas déjà ça? Je pense qu'on va l'avoir en double alors. Là c'est quoi comme relique? Héros inflige davantage de dégâts aux unités mythiques, c'est pas mal. Cultive plus rapidement la terre. Allez. Parfait. Donc le copège de russe pour les héros. Et l'autre ligue, c'est quoi? Lotus noir. On les embarque. Et on se retire. On reviendra ici récupérer le voile de nuage. Ça nous sera toujours utile. Ouais, il est où mon transport en fait? Attends, j'avais un transport il y a 10 secondes. Bon, bah il est parti tout seul, on ne sait où. Bon, c'est pas grave. Allez hop, troisième monument de prêt, on va fabriquer l'avant-dernier tout de suite. On a pas mal de technologies à développer. Je ferai le livre de Thoth, comme ça on va encore booster notre collecte de ressources. Je pense que je vais aussi encore ajouter plus vite de l'or, mais ce sera. Donc là j'ai pas encore préparé d'armée, j'ai déjà mon idée de ce que je vais faire comme troupe. Ouais. Arme en cuivre développée, très bien. L'avant-dernier monument est terminé. On passe à l'ultime monument, à savoir le monument pour les dieux. Je vais rajouter un citoyen à l'or ici. Mamma mia. Ok. Donc Ramsès, enfin le pharaon, tu vas me rechercher cette relique, toi pareil. Parfait. Donc maintenant tu me retournes. Ah non, tu vas récupérer la dernière maison et je vais ordonner au pharaon d'aller chercher la dernière relique. Très très bien. On est dans les temps. Là, le dernier monument est terminé. Vous quatre. Ah, on a déjà plus d'or. Ah ouais. Donc 4 et 4, ça fait 8. Je vais construire là. Je vais faire un autre forum là. Je vais accélérer la collecte, la vitesse des caravanes pour qu'on collecte de l'or un peu plus rapidement. Le pharaon va récupérer le voile de nuage. Oh, tu m'attaques, toi, t'es sérieux? Je sais pas à qui t'as affaire. Parfait. Ok. Donc au temple, j'ai déjà préparé un conclave, 4 prêtres pour commencer. Je vais en prendre 6. Ça devrait être suffisant, je pense. Avec le pharaon qui va donner des dégâts supplémentaires d'une unité mythique. Normalement, ça compte pour lui, ça ouais. Parfait. Alors. Je vais en ramener ce 3 là.
Donc là, les prêtres, ça commence à se former. La relique, je la ramène là. Ok, c'est pas mal. J'accède à la production de nourriture. Maintenant, je vais rajouter 2 villageois supplémentaires. Ça doit être suffisant, je pense. Hop, production, bois aussi. Et l'or, tant qu'à faire. C'est déjà fait. Alors, on va faire ça pour les pharaons qui vont revenir plus rapidement et plus fort. Augmente la vitesse de guérison des prêtres et réduction des coûts. Esprit de mat de Neftis aussi, je prends. Et enfin, Neftis rite funéraire, augmentation des dégâts aux unités mythiques affligées par les prêtres et les pharaons. Aux unités mythiques, très bien. Ok. Alors là, on est bien, on se prépare très bien là, pour l'assaut. Alors toi, tu fais rien. Je vais te mettre en construction d'un travaux de siège ou de pareil. Hop. Il nous reste combien de prêtres à préparer? 4, il y en a 6, ouais. Je pense que je vais créer ensuite 2 unités de Léviathan. Ça devrait être suffisant, je pense. Donc là, l'armée, ça, je le détruis, plus besoin. Amanra, tu reviens là. On continue les technologies militaires, amélioration de l'équipement de nos hommes. Donc là, on a gagné 13% grâce au vol des nuages. J'ai même pas vu combien me rapporter une caravane d'ailleurs. 148 x 4, ça fait 600. C'est pas mal. Travaux de siège, ça va être prêt. Je construis tout de suite un bastion du Migdol. Pour savoir, on est en avance sur Kemsit, c'est cool, on va jouer là-dessus. Je ferai quelques catapultes pour nous aider. On a suffisamment de bois ici, je trouve. Hop, on redescend un peu. On développe les armes en bronze, ce qui fait que nos héros vont taper encore plus fort et nos soldats avec. Le prêtre a combien de portée? 22. Ouais, ça va. Donnez du pouvoir pharaon. On a besoin d'un bastion de Migdol très rapidement. Donc là, je vais pas développer la population, ça sert à rien. Je pense qu'une armée de 10 unités de chars, 10 méhari, 4 catapultes et je cours en unité mythique. Que je regarde un peu le sphinx, je vais l'améliorer. 4 sphinx et 4 hommes scorpions, ça devrait être suffisant, je pense. Parfait. Ok, hop, on va faire les dernières. Hop, c'est quoi? Ouais, on va le faire. Ça peut être utile. Amélioration de la vitesse d'entraînement de nos unités. On va développer ça, les méhari, les chars lourds. Cinq monuments, j'ai l'impression que ça va pas très vite. Ok, le cryosphinx est développé, on va développer le sphinx hiératique. Je vais voir s'il n'y a pas une relique ici qui réduirait les coûts des unités mythiques, mais je me souviens pas. On colonise le troisième forum. Et bon, on va faire tout de suite ça. Les dernières améliorations d'armure. On a des tours de garde. On va développer encore les pigeons voyageurs pour augmenter la portée de vision de nos tours. Char lourd, méharé lourd. Normalement, ça doit se voir. Ouais, ça se voit. Je pense qu'on va débarquer par là pour l'assaut final. Parfait. Non, pas au bois, toi, il y en a déjà assez. Ça, c'est cool. Le pharaon, là, je vais commencer à lui dire d'aller au monument. Alors, qu'est-ce que je fais en priorité? Bon, on va faire des navires de transport. Je pense que je vais augmenter leur capacité. Je vais développer 4 catapultes. Parfait. Ça aussi, ça va être utile. Into you, into you.
Donc on a 6 unités de prêtres ici, on va envoyer les prêtres, on va déjà préparer les transports de troupes. Les 4 catapultes, le pharaon iront dans ce navire. Je créerai des navires aussi pour défendre ma flotte, parce qu'on sait jamais. Ou des tortues. Alors, on a 4 sphinx, ça doit être suffisant, je pense. On va déjà en produire 2. Ok, on peut les produire là. Alors notre pharaon arrive au monument, donc là il va générer des faveurs plus rapidement, c'est surtout ça le plus important. Je peux encore former une catapulte, je pense. Ah non, il y en aura, c'est ça. Mère et championne. Comme je bénis le plus gros monument, c'est normal que ça va plus vite. Je vais en produire 4 de plus. Très très bien. Donc ça veut dire que s'il me faut 4 hommes scorpions, il va me falloir 100 de faveur. Ah ouais. Quatrième catapulte en route. Je rajoute un autre sphinx. De l'autre navire, je vais mettre les Mérailles. Là, je vais garder mes pouvoirs parce qu'ils vont avoir leur utilité au moment venu, comme vous vous en souviendrez. Je vais développer ça pour entraîner nos archers sur charte très rapidement. Je vais accélérer la cadence de production d'or. En fait, le souci, c'est pas les ressources qui nous manquent, c'est les faveurs, en fait. Je vais entraîner mes navires aussi, je vais les améliorer. Je pense que quelques barres de guerre royale, ce ne sera pas de trop. Par contre là on manque de bois, mais là maintenant j'ai tellement d'or grâce à notre pouvoir divin. Allez, tac. Voilà, les archers sur char s'entraînent quasi instantanément. Donc je vais les mettre tout de suite dans le navire. Toi aussi, allez. Ok, donc on a déjà un navire complet. Là je vais quand même améliorer mes tours à balis en tour de garde, enfin mes tours de garde en tour de garde pour faire ça déjà. De toute façon là, la plage là c'est la plus adaptée pour débarquer, je vois pas où débarquer ailleurs. Avec notre armée complète là on va faire le job je pense. Du coup on va déjà entraîner 2 hommes scorpions. Donc ça fera 14 et 4, 18 et le pharaon. En plus ce sera bon. Ok. Bon, ça va être un peu long des faveurs à arriver, mais bon, c'est comme ça. Je pense que je vais aussi recruter des galères et points. Allez, encore un homme scorpion. Plus qu'un et en route. Ah, il est complet. Ah, il est complet. Là, on n'a plus de bois. Par contre, là, on en a encore à exploiter. Les barges de guerre royale vont nous être très utiles pour prendre certaines positions, je pense. On a aussi le pouvoir météorite qu'on pourra utiliser. Ça va être cool.
Ok, donc on peut encore acheter du bois et améliorer nos tours. On va le faire quand même. Ah bah, il n'a pas, le navire n'a pas résisté longtemps avec nos tours. Bon, je commence à ramener mon pharaon là. Ça y est, c'est parti. Je pense qu'avec la flotte qu'on a, que nous allons avoir, ça devrait être suffisant pour débarquer. Parfait, le dernier Ram Scorpion est embarqué. J'emmène Ramsès. Ensuite, j'accélère un peu la bénédiction. Je vais voir où en sont les unités du port. Donc ça va quand même assez vite, je trouve. Je pense qu'avec cette flotte-là, on pourra débarquer rapidement nos deux transports égaux, quoi. Normalement, c'est considéré comme une erreur militaire, les transports, oui. Putain, le tour à balise, 22 de dégâts, quoi. Vaut mieux pas les approcher. Ok, le pharaon est bientôt arrivé. Donc là, je prends que des unités de bastion de mitote, parce que l'infanterie, on va pas en avoir besoin tant que ça, au final. Je pense qu'en quelques minutes, on va foutre une météorite sur le dos de l'île de Kemsit. Par contre, je vais faire un truc malin, je vais emmener un phénix, vous allez comprendre pourquoi. Alors, 4. En route. On va bien je sais où on va débarquer. Oh, il y en a qui a pas fait long feu malheureux apparemment. Alors ça c'est quoi? Ouh, faut pas trop traîner là. Est-ce que tu vois des fortifications là? Il y a une tour, ok. Là je fais attention. Je vais peut-être lâcher une météorite là. Donc là je vais envoyer mes galères éprendantes en première pour voir où sont leurs navires. Ok, c'est bon. Au moins on a un peu amoché la zone. Bon, ils vont tout soigner évidemment, mais réparons pas tout, c'est plus important. Allez, vous poursuivez. Là, on sait où on va débarquer. Là, c'est là l'endroit idéal. Attention! Alors, vous occupez-vous de la tortue, fils ça. Oh, punaise, mes transports, Au moins, la flotte attire l'attention. Et nous, on accoste, tranquillou. Parfait. Je vais mettre l'armée en sorte qu'elle soit disciplinée. Voilà, on a déjà détruit un monument, parfait, en route. Ok, c'est parti. Il prête feu la route là-dessus. Parfait. C'est passé, là on est bien. Par contre là en mer ça se passe un peu moins bien. Je vais quand même détruire la porte là. Ok. Donc ça c'est fait. Recule, 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 il y a du monde là. Là ça, je veux bien que vous fassiez ça. Il y a une tour à raser là, hop. Bon là normalement avec nos tours ça devrait aller. Recule, recule, il y a un peu du monde là-bas. Oh, ici. Où te caches-tu?
Occupez-vous de ça, là. Pas la catapulte. Oh. Qu'est-ce qu'il reste encore? Là, il faut pousser. Donc, il nous reste quoi, là, encore? Ok, donc là, on est plutôt bon. Raser ça. Parfait, avancez. Et je crois qu'il y a un bastion de Migdol pas loin. Alors, vous les sphinx en route. On va invoquer le pouvoir ancêtre ici. Et l'éclipse. Là, on va saucer. Allez-y. Attaquez ça. Là, ça va être un carnage pour eux. Les sphinx qui nettoient, c'est cool. Il nous reste combien d'archi-surchar 10 sur 10, allez. Vite, foncez là-bas. Amanra, tu fonceras rapidement sur la relique. Regroupement des sphinx ici. Allez, feu volonté là-dessus. Et voilà, c'est une victoire grâce à l'éclipse et au pouvoir utilisé. On rasera peut-être le forum avant, oui. Il y a quelque chose que je veux te donner depuis le jour où tu m'as échappé au temple, Khemsit. Je ne rêve que de te vider de ton sang, Amanra, mais je n'ai pas de temps à perdre avec toi pour le moment. Oh. Lâche ! Ton heure viendra, Amanra. Adieu. Ok, du coup, on récupère l'arlique. Khemsit s'enfuit lâchement avec un roc, donc un aigle géant si vous préférez. Et on est plutôt bien, donc là ce sera, cet épisode-ci sera posté dimanche de la semaine qui va arriver. Donc vous aurez 3 épisodes exceptionnellement. Et la semaine prochaine après, sur Radio Shmuji, vous aurez 4 épisodes pour terminer le cycle avec l'Egypte. J'en dis pas plus, voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre affaire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'oubliez pas la page Tipeee qui est dans la description. Et voilà, je vous dis à la prochaine les amis, c'était Kaiser von Karstein, merci d'avoir suivi et à bientôt.